respecter Dieu et surtout pendant le ciel clear. Je me présente, je suis Edmond Lubard, je serai de nouveau votre hôte pour cette seconde vidéo de démonstration du logiciel Clever Bridge 34 tonnes. Pour ce faire, j'engage en preuve de fiabilité la réputation des entreprises du bar et fils. Cette fois-ci, nous travaillons sur un contrat lancé sur appel d'offres par la ville de Plouégat-Fourbu dans l'Eure. Oui. La mairie communiste de la région souhaite qu'un pont aussi fabuleux que monumental enjambe la belle mais périlleuse rivière Andelle. Cette fois-ci, nous avons un budget de 350 euros pour ce faire, sans compter le bois de palette fourni par les entreprises de la rue Transpalette que vous pouvez voir ici en bas à gauche de l'écran. Car grâce au logiciel de stockage à Andy, ce logiciel Clever Bridge me tient au courant de tout ce qui se passe sur le chantier. Nous allons donc procéder comme les ingénieurs GI, comme vous le voyez pendant la guerre du Vietnam, lorsqu'ils devaient faire face aux terribles mais ô combien compétents moines Shaolin bâtisseurs de Pont Céleste. Pourquoi tu m'interromps, Jackie? Qu'est-ce que tu veux que ça me branle que le stagiaire fasse? On va aller donc chier dans la boîte aux lettres du bureau des ingénieurs Cohen et Fils pour que ça me foute. 17e arrondissement de Paris n'a pas besoin de deux bureaux des Ponts et Chaussées. Bon, revenons-en à nos moutons. Comme vous pouvez le voir, c'est une structure extrêmement complexe, dite structure euclidienne. Oui, oui, ça doit être bon. N'allons pas tarder à lancer la simulation. Oui, qu'est-ce que c'est? Coupe la caméra, Pierrot, ce putain de logiciel se bat encore en couille. Comment ça, j'ai pas salué les téléspectateurs? Coupe-moi ça, tu vois, je vais t'en mettre une que tu verras pas venir. Tu vois bien que j'avais cassé la gueule à moitié et puis... Oh le dieu. Oh merde. Coupe-moi ça, Pierrot.